Salut à tous, c'est Jordan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau unboxing, donc le numéro 2. Vous avez plutôt bien apprécié le premier, donc on va en faire un deuxième. Surtout que j'ai reçu pas mal de petits colis. Donc je vous réexplique le concept, j'ouvre des colis que j'ai reçus pour la pêche, exclusivement que pour la pêche, donc que ce soit aussi bien des appâts, du matériel photo, tout ça. Donc sans plus attendre, on commence avec le premier colis. Donc premier colis, c'est un colis de Kit Carp. Donc j'ai recommandé de la bouillette et du liquide. Donc comme je vous avais dit dans le dernier épisode, donc voilà comment on reçoit les bouillettes, donc sous vide, en grosse quantité. Donc l'éco, c'est de l'éco saumon celle-là. Donc éco saumon, moi je vais m'en servir pour l'amorçage pour mon prochain enduro. Car sur mon ancien enduro, j'avais commandé de la crabe en écho et j'avais fait du très beau poisson. Je vous laisse aller sur la vidéo de l'enduro, je vais mettre le lien par ici. Donc voilà, en 18 mm de la saumon en écho, et j'ai donc pris de l'huile de chènevis. Huile de chènevis, possible de le commander sous plusieurs formats. Moi j'ai pris 500 ml, donc huile de chènevis, voilà, qui sent le chènevis quoi en fait, hein. Donc voilà pour ce qui est du colis Kit Carp, on passe au deuxième colis. Donc deuxième colis, c'est un colis de Carp Store. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, j'avais pas tout reçu ma commande, donc là ça y est, j'ai reçu le reste. Donc j'ai dedans donc encore un t-shirt Carp Store, voilà, donc c'est le même que celui que j'ai déjà, et j'ai reçu, j'ai commandé des plombs, donc voilà pour les plombs. C'est des, combien donc j'ai pris de grammes, c'est du 113 g, donc voilà, moi j'ai pris ça pour pêcher dans les endroits un peu caillouteux. Ça fait la même couleur, donc c'est vraiment top. Hop. Donc voilà pour ce qui était la fin de la commande. On passe donc au colis numéro 3. Colis numéro 3. Donc ce coup là, c'est un colis pour la caméra, donc pour fixer des accessoires. Donc voilà. Voilà le porte-accessoires, donc je peux mettre 3 accessoires en plus, enfin je peux mettre 2 accessoires en plus sur ma caméra. Je ne vous dis pas la suite, mais j'aurai donc plusieurs accessoires sur ma caméra que je pourrai vous montrer plus tard quand je les aurai reçus. Et nouveau colis. Donc là maintenant c'est un colis qui va faire un peu polémique. Je veux votre impression dans les commentaires. Donc voilà, moi j'ai commandé donc, des Spomb sur AliExpress. Bon, c'est pas un placement de produit, mais voilà, c'est sur AliExpress. Donc c'est des Spomb qui sont vraiment pas chers par rapport à la marque Spomb. Car dans le dernier enduro, j'ai perdu 2 Spomb de la marque Spomb, et c'est vrai que ça fait un peu mal au portefeuille quand on le perd. Donc là voilà, 2 Spomb de AliExpress, donc dites-moi en commentaire si ça vaut le coup ou pas. Je pourrais tester ça donc, à l'enduro. Je vais faire au lac du Bourdon. Donc voilà, j'en ai 2. Il y en a un autre de la même grosseur, donc c'est des médiums. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous utilisez des Spomb sous marque ou les vrais Spomb. Et on passe donc au colis suivant. Donc là c'est un colis qui me tient à cœur, car c'est une personne qui m'a contacté sur Facebook et qui m'a envoyé son produit, et je m'attendais vraiment pas à ça. Il est vraiment top. Vous avez pu le voir si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, car j'ai déjà partagé le produit. Donc voilà, On le reçoit donc avec un bon emballage. Donc c'est la lumière Sunblesa BV Light. Donc voilà, on l'ouvre et on a vraiment tout dedans. On a la lumière avec un porte-lumière avec aimant. On a aussi bien une sangle avec pour pouvoir l'attacher. On a le câble, car en fait elle fonctionne pas sur pile mais avec une batterie. Donc on a une télécommande pour l'activer à distance. La lumière fait batterie externe, donc pour recharger son portable. Donc c'est vraiment top. Donc là bon, on va pas voir grand chose. Là je viens de l'éteindre. Hop, donc là je l'allume, on passe en blanc, en blanc normal, en blanc plus fort. On peut mettre en rouge plus fort, en vert et en vert plus fort. Il y a même le signal d'SOS avec, donc c'est vraiment top. Je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo. Donc voilà, c'est un produit qui me tient à cœur. Je tenais à le représenter comme il faut. Donc voilà, avec une housse qui se referme, produit vraiment top. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description de la lumière Sunblesa, et vous avez bien sûr le lien aussi de Kit Carp pour les appâts dans la description. Donc on passe au colis suivant. Donc là c'est un colis que j'ai reçu il y a peu de temps aussi. Donc pour ma caméra, ceux qui me suivent sur les réseaux l'ont déjà vu. Donc voilà, je le sors devant vous. Donc c'est un stabilisateur pour la caméra. Donc la caméra se positionne ici. Et ici je pourrais mettre donc les accessoires, tout ce dont j'ai besoin en fait sur ce stabilisateur. Donc ça va me permettre d'être beaucoup plus stable au niveau de mes vidéos. Donc voilà, un très bon produit aussi. Et voilà, la vidéo se termine. Dites-moi si celle vous a plu. Vous pouvez vous abonner ici. Vous pouvez aussi aimer la vidéo, activer la petite cloche de notification, la partager bien sûr. Et on se retrouve pour une prochaine session.